Bien sûr, j'ai failli vous oublier. On commence Genesis Noir. Du coup, je recommence pour vous. Comme ça, je suis pratique. Parfois, la réalité est trop complexe pour votre seule perception visuelle. Selon la théorie des cordes, l'espace-temps comprendrait 5 fois plus de dimensions que celle que vous appréhendez. À quoi ressemble véritablement la réalité? Qu'existait-il avant que le Big Bang n'engendre l'univers? Ces questions sont sans réponse. Mais l'imagination matérialise l'inconnu grâce à des mythes. De cette brume impénétrable se dégage un monde aux contours familiers. Votre esprit transforme ces volutes de fumée pré-et... préternaturelle en être de chair, d'acier et de béton. Votre expérience redéfinit le monde et lui donne sa forme éternelle. Vous lui donnez un nom. Kebab? Vous l'appelez la constante. Constante de Planck? Ah bon. Moi aussi j'ai regardé y penser. Est-ce que la musique c'est bien? Pas trop fort? Ou c'est pas trop faible? Je pense que c'est peut-être trop faible. Feral Cat. Ah mais c'est la ville! Alors c'est pas chez vous hein, ça lag hein. Oh 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 la musique. The Hopper. Bon bah la DA est magnifique hein. Voilà hein. Encore plus beau que dans les screenshots hein. C'est fin. Pas d'argent. Bienvenue dans le club. Cliquer et maintenir enfoncé pour sectionner une montre. Pour des montres? C'est quoi ça? C'est Dieu incognito parmi la foule? Le Constant Club, bien sûr. Viens, viens. Viens, copain. Tu veux une montre? Tu as une Casio. Une Casio d'Aura l'exploratrice, ça te va? Attends, ça coûte combien le resto là pour que t'aies besoin de vendre deux montres pour pouvoir prendre un truc à bouffer? Une petite montre à gousset là? C'est tellement la classe hein, les montres à gousset. Hein. C'est impratique. C'est pas pratique du tout, mais c'est juste classe. Ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à être classe. Ouais, mais donner un slip ce bâtard. Cliquez pour marcher, cliquez deux fois pour courir. Toi qui m'as donné un slip là, bâtard? Oui, il perd ses chaussures. Non, par contre, la DA est incroyable, la musique est folle. Ça me rappelle un peu le jeu qu'on avait fait là, le jeu de Arte. De Boris Vian. Enfin, inspiré du bouquin de Boris Vian. Ah, il y a la madame! Regardez à travers la fenêtre. Lance. Ça, hein, monsieur. Hein. Là, nous sommes sur un stream écologique. Parce qu'il y a très peu de pixels d'allumés. Ou très faible consommation hein, électrique, bien sûr. Ah!
contre, la flashball là. Oups. C'est bien ça, on interagit vraiment. Enfin, la souris est diégétique. Ouais, j'utilise des mots comme ça. Hein. Dommage. Je vais faire tomber, tout tomber en fait. Oh! Et. Hey bro. T'appelles qui? Oh! Une serviette échangée après une nuit d'attraction. 980, 66, 50. Oh, mais déjà, je vais faire ça. En 18. Le 118. Do you too? Ah, y'a personne, hein. Donc, où tu m'as dit qui? Attends, vrai. 980? Ouais. Ah, puisque la police d'écriture était bizarre. Du coup, je me suis dit, si ça se trouve, c'est juste dans le mauvais sens. Mais non, non, non. 980, 66, 50. En train de péter les murs, hein. Je sais pas qui on appelle, mais ça pète les murs en tout cas. T'as dit qui, pardon? 66, 50. Non, c'est trop cool. Hein. Je suis très très fan là pour l'instant. Hein. Ah mais cette musique. Ah c'est Mad Men ça, je reconnais, j'ai vu. Ou des YouTube qui va être mute, tellement il va y avoir 100% ces musiques, c'est des musiques DMCA. Oula! Tout petit? Ça joue qu'à la souris, très bien, d'accord. C'est Shining. Please Johnny. Ah. Ah. Genesis. Noir. Salut Azidane et merci pour tes 5 visionnages, merci beaucoup. T'arrives pile poil pour l'intro. C'est fou, hein. Pour l'instant je suis grand fan. Hein. Je comprends pas tout, mais c'est visuellement fou. Enfin, la réelle est folle. Interstellar, ça je reconnais. Je peux déplacer le machin. Ok. Tout le monde est kickette. Bah ouais, hein. Bah kickette, il est un peu cassé, hein. Mais il va bien. Tiens. Bah, faut que je m'aligne. Je vais m'aligner moi-même avec moi-même. Je trouve qu'en termes de jeu,
enfin de création de jeu. Il y a eu une petite révolution qu'on a pu faire de l'effet 2D en utilisant de la 3D. Je trouve que ça permet des idées de réal encore plus folles. Le charme de la 2D avec les possibilités de la 3D. On va faire quoi? J'aille là? Qui tue le tueur Elvis Presley là? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, y a Moui! Moui, c'est? Non, c'est pas moi. Ça? Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse fur? Arrivé, hein? Attends, je peux me déplacer peut-être? Ah! La flasque contre la douleur. Idéal pour oublier le temps. À consommer avec modération, bien sûr, hein. Vas-y, un petit coup de glouglou. Ah, je suis à 29,2 points de chaîne, donc je tremble. Ah, à 35, attention, attention, hein. Oh, les bubules! Bravo les bubules. C'est comment ça s'appelle, c'est Obradine? Une chanteuse en danger. Toi, c'est Elvis. Ah oui, zut, c'est 35, j'avais 30 en tête. Alors, 30, c'est le cactus personnalisé. Pas pareil. La douille d'une grande déflagration. Ah bah oui, tu m'étonnes, t'as vu la taille de la déflagration? Oh! Un tournicotis, tournicota. Tout cas, comment on va tuer Azilidane? Oui, du coup, on est sur Genesis Noir. Pour l'instant, j'ai pas trop compris le scénar, hein. Mais c'est magnifique. Donc déjà, moi, ça me plaît. Au commencement... Attendez, je prends ma voix de narrateur. Me faudra des lunettes pour faire encore plus narrateur. Au commencement, le Big Bang était une sphère d'une chaleur, d'une densité incalculable. Alors, fun fact, à propos du Big Bang, moi, péter mon crâne, c'est qu'au début de l'univers, c'était tellement dense qu'il n'y avait même pas de lumière. La lumière ne passait pas, tellement c'était dense. Toute la matière d'aujourd'hui était tellement dense que la lumière ne passait pas. Salut Factures. Ça merci, je vais l'air pas mal car j'ai les mains occupées, mais le jeu a l'air cool. Ah bah, pas de problème. Voilà, les musiques ont l'air folles. Hein. Les musiques ont l'air folles, du coup, ouais, je pense que ça, c'est un bon jeu à mettre en fond. Hein. Comment vas-tu, Fighters? On est sur Genesis Noir, on vient juste de commencer. Et nous jouons à un gars, un vendeur de montres. Il semble avoir des petits pouvoirs pour remonter le temps. Je pense que notre mission est d'empêcher le meurtre d'une chanteuse. Mais là, ça nous parle du Big Bang. Donc, ouais. Au commencement, le Big Bang est une sphère d'une chaleur et d'une intensité incalculable. Uniforme et parfait, cet humble volume contenait toute l'énergie qui allait devenir notre univers. Mais peu à peu, les imperfections apparurent. À la 10 puissance moins 37e seconde, de minuscules fluctuations dans la densité de cette énergie se sont formées. La surface de la création, ayant perdu sa parfaite stérilité, était désormais rugueuse comme un champ labouré. Ces imperfections énergétiques devinrent les germes qui allaient donner naissance aux étoiles, aux galaxies et à la structure même de l'univers. Interstellar, hein? Bien et toi? Ouais, ça va très très bien. Ça va très très bien. Ah, c'est Interstellar ça. Non, c'est... Comment il s'appelle? 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est la fin. Semence. Permet pas. Je connais pas, hein. C'est semence pour toi, hein.
début de l'univers, ça. Parce qu'on était dans une ville américaine il y a quelque temps. Et là, je sais pas ce que, je sais pas où on est. On aime, mais c'est bizarre. Tornade? Pas faire grand-chose avec la tornade. Donnez-moi le jus. Donnez-moi la semence. Non. Remplissez-moi de semence. Mais non, c'est dégueulasse. Tout bien, tout honneur, hein. C'est gourde. Une graine blanche qui se nourrit de la lumière. Ah. Ok, c'est pour ouvrir les chemins comme ça. D'accord. Ça a pas l'air d'être la lumière, du coup je pense pas que je peux passer. Ah, je peux pas passer là en fait. Du coup je pouvais passer. Elle est là. Avec les cordes qui vibrent et tout ça, enfin avec les lignes qui vibrent, j'ai justement l'impression d'être sur une guitare. Pas l'impression que ce soit ça, mais... Mets-toi là, mon ami. La graine. Mais non, pas sur toi, mon ami. Ah si, c'est bon. Ok. Ah, il y a des murs invisibles. Je vais récupérer le jus. Et je pense que ça sert à rien. Ok. Des graines noires, du coup, qui se nourrissent d'obscurité, je présume. Des graines sombres qui absorbent l'énergie noire. Oh, un trou noir. Blanc, je présume. Le sol. Alors, si vous posez la question de comment je suis tombé sur ce jeu, je sais plus non plus, hein. Mais je crois que ça c'est très bien pour ce jeu de ne pas savoir d'où on l'a, comment on est tombé dessus. C'est très dans l'ambiance. Là, c'est un mix d'incompréhension et de kiff, hein, pour l'instant. Je comprends pas tout, mais je kiffe. À faire un canevas? Canevas fatal? Oula, oula, oula. C'est le Big Bang, ça? On est en train de faire péter le Big Bang? Je vois rien. C'est bon? On est là? On est où? Dis-moi tout, bébou. Non, faut pas aller là. Non, faut suivre le jaune. 6. Du coup, c'est qui lui? Une graine jaune? A pas dû faire ça.
Où c'est? Oh! Bête. J'avais pas vu. Donc peut-être que j'ai gâché une graine. On va mettre une graine noire. Pas ça. Hein. Recharge. Si je mets une graine noire, qu'est-ce que c'est? On va pas remettre les lunettes de soleil. Ça crée des nuages? Ah oui! Ouais, faut peut-être arroser la plante. Ah non, en fait, on remplit le lac. Attention les yeux, hein. Attention, hein, si vous êtes sujet à l'épilepsie. Petit nénuphar? On est en train de créer la Terre, c'est ça? Bah, Dieu, c'est nous. Dieu est un jazzman des années 40. On n'est pas celle-là. Ah, c'est toujours mieux qu'un vieux antoge. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi il y a le bruit du modem 56K? Après, c'est vrai que peut-être que le modem 56K il existe au début de l'univers, on sait pas. Hein. Donc ça, quand on dit qu'il faut mettre de la musique pour les plantes, pour les faire pousser. Trop ce qu'il faut faire. Hein. Ça va être quelque chose comme ça. Oui. On a fait pousser des montagnes. À gauche, droite, à gauche. Hein. Par contre, on a plus de graines blanches, quoi. On a tout bouffé. Ah si, on a des graines blanches. Ah, vas-y, graines blanches. C'est Dieu Simulator, en fait, c'est ça? Là, on est en train de créer le ciel. Non. Non. Faut pas retourner en arrière. Faut pas souper, quoi. Ah, ah oui. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est qu'il fallait mettre le ciel très précisément. En fait, non, il fallait juste faire passer ces jours. Cool, on a créé la voûte céleste. Ok. Salut gars, comment tu vas? Tu me donnes de nouvelles graines? Des graines jaunes? Non, des graines blanches. Je prends aussi quoi, mais problème hein. Il y a un peu de couleur. Ah!
gros? À quoi penses-tu sur ta montagne? Des graines. Ah non mais ouais. Et du coup, moi je pose la question, c'est quel rapport avec la dame qu'on a tuée? Enfin, qui a été tuée. On est revenu au début de l'univers. On est revenu au début de l'univers pour... Pour je sais pas quoi. Noir, vas-y, noir, vas-y, pourquoi pas. Si ça change quelque chose, hein. Tiaf! Pour toi, tu gênes. Gêne. Gêne. Ah. Toi, tu peux grossir différemment ou pas? Non. Non. Okay. Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Pas bon? Allez. En tout cas, c'est... facile de créer des arbres, hein. Là, ça me plaît. Logique. On a créé les oiseaux. Très bien. Les belles oiseaux. Parce que dans les oiseaux, il y a des poules. Les perroquets, les cardinals rouges, sont des oiseaux incroyables. Des graines, des graines. Tiens. Pas si ça change quelque chose hein, de faire ça, mais vas-y. Ok, donc ici, c'est bon. Ouais, bon, la montagne elle est protégée, mais en même temps, on n'a pas grand chose à faire là dans cette montagne. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'est pas allé à droite. Bon. À droite. Salut, bro. Ça va? Ouais. Tiens. Bouffe ça. Et on peut pas aller là. Attends, j'ai pas récupéré les graines. Donne-moi ça. Merci, gars. Ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a une montagne. Ouais. Eh ben, c'est super, mais je sais pas trop quoi faire, hein. Des graines, là? Oh. Cours pour mon ami. Tiens, on va faire ça, on va bouffer toutes les. On va planter des graines là dans ce genre d'endroit. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Genre là, on va mettre graines blanches.
Là. Là, c'est tout bon. Oui, là, faut aller là, je sais, mais il n'y a pas de pont. Pas de pain. Pas de pain. Allez, cours. Ah, vu, putain, je suis aveugle, hein. Aveugle man. Moi. Noir. Salut Limone, et merci pour ta lurk. Tu vas bien. On est sur Genesis Noir. Et j'aurais du mal à expliquer. Parce que j'ai pas tout compris non plus. On crée les astéroïdes là? Et du coup, là j'ai l'impression que nous sommes au début de l'univers. Enfin, enfin, c'est ce qu'on a vu pour l'instant. On était tranquille dans une ville américaine classique, des années 40. On a vu qu'il y a une femme se faire tuer. On a bu de l'alcool. Et là, on est remonté à la création du Big Bang. Là, on crée l'univers avec des graines. Elle m'a dit que c'était logique. Hein. Là, c'est ce qui se passe. Hein. Vas-y. On crée une ceinture d'astéroïdes, c'est ça? Avec plaisir. Hein. On crée le début des planètes, surtout. Déjà, toi, tu dégages. Dans le ciel? La création de lumière et c'est déjà le bordel hein, quand même. Hein. Bon, faut que la graine trouve de la flotte, hein, c'est ça? On nettoie, hein. Ça a l'air un peu dégueu. Hein. Ça fait un clou. Ah. On a mis tout ce qui était tellurique et maintenant on va mettre tout ce qui est gazeux, c'est ça? Ils ont donc créé les animaux terrestres, très bien. Du coup, par contre, on fait pas de. D'accord, il manque plus que les animaux aquatiques. Pour mon ami. Ah, si, c'est bon. Ah, salut, bro. Ouais, je sais pas, tiens. Ah, les graines jaunes. Une graine d'or qui a le tout rayon doré. Tu fais une bêtise, hein. Hey. Ok. Bon, là, on va créer des poissons. La phrase là, qui m'a fait rire. Ah oui, la mer, c'est dégueulasse. Et les poissons, ils pissent dans la flotte. On a mis une graine d'or. Oula. Ah, petit test. Zigzag. On n'a rien créé? C'est sûr. Hein. Eh mais du coup là on peut. Ah ben ouais, là on peut ouvrir. Là, une graine d'or. Mon ami, s'il te plaît. La graine d'or.
Les gars. J'ai plus de musique, hein. Le jeu était très basé sur la musique. Là, il n'y a plus rien. Les graines blanches, pardon. J'ai encore des graines d'or ou pas? Oui. Mange. Oh. Écoute. Ah bah le voilà! Et en vie cette fois! Ah. Que crées-tu? Tu crées la lumière, mon ami, c'est ça? Oui. Le cliquer où? Il y a des piafs? Attends, je vais te faire tomber des pommes sur la tête, mon ami. Ah, voilà. Oula! Eh? C'est toi, Dieu? Mais attends, tu ressembles au gars qui a tué madame? La même coupe? Vas-y, je touche, hein. T'es dans le trou noir? Un ressort de montre plein de potentiel, une forme connue qui demande une étude approfondie. Bah c'est pour moi, hein. Pas dans le trou? De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choix, hein. C'est l'art, hein. Blanc, c'est blanc, c'est trop blanc. J'ai cru que c'était un poisson. Eh oui, c'est Dieu. Madame. Ouais. Tout compris. Bah ouais. Tu me laisses le temps de comprendre ce que t'as marqué? Alors attends. Le Big Bang, le grand boom, chanteur du jazz. Ça fait pop 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 pop. Série de d'événements. Ensuite, arriver à là. Où on comprenne pourquoi c'est la marque est blanche, faut la faire jaune. Ensuite, il faut trois marques jaunes. Comme ça, on empêche de mourir. Et quatre. Miss Mars. Hein. Miss Mars. Talentueux, vaniteux. Et meurtrier. La belle bio de Tinder, ça? Un album intitulé Big Bang. Big Bang Theory? Qu'est-ce que c'est à chier, Big Bang Theory? Faut arrêter avec ça. Hein. Un ensemble de notes, théories et plans pour alimenter un trou noir. Ma foi. Un plan pour sauver un dieu. Qui dieu? C'est elle? Une chanteuse célèbre en danger. Un mécanisme inachevé pour créer des trous noirs. La proportion n'est pas encore définie. Une première confrontation. Plan pour sauver un dieu.
Un portrait de Flambeur sur le point de tout perdre. Un prospectus pour promouvoir le musicien préféré de Miss Mars. Featuring Golden Boy. Ah, c'est Golden Boy, c'est lui. Le petit bâtard. Lui, c'est Golden Boy. Hein. Mais en fait, c'est. Attends, c'est quoi? Il a créé un trou noir. Son arme, c'est un trou noir. Et qui balance toute l'énergie de l'univers sur Madame. Beaucoup quand même. Hein. C'est un peu abusé. Hein. En 9 mm, ça marche aussi bien. Hein. Un trou noir qui peut arrêter le Big Bang. Rien à voir par ici. Une fausse piste. Un nuage inerte de poussière cosmique. Ok. Je comprends pas tout, hein. Je crois que ça va être le nom de l'OD, hein. Je comprends rien. Voilà. Une étendue d'espace vide. Ça, c'est ce qui se passe entre mes deux oreilles, ça, une étendue d'espace vide. Au cœur de la brume, une flamme brûle de mille feux. mille ans après le Big Bang, l'univers ressemble à une salle enfumée d'où la lumière ne peut s'échapper. Les étoiles ne sont pas encore sorties. Et un voile d'hydrogène étouffe toute lumière jusqu'à leur arrivée. Sur plusieurs centaines de millions d'années, la pression de la gravitation condense la première étoile à partir de ce nuage d'hydrogène, et alors un feu embrase tout. Néanmoins, le souvenir de ces temps obscurs subsiste encore, puisqu'au cœur de chaque géante gazeuse sommeille une étoile ratée. Ah mais par contre, la réelle est incroyable. Hein. Vraiment. Je suis. La nappe, c'est la kiffance. À propos du. À propos de la DA. La DA est juste folle. Hein. Enfin, la DA, la réalisation. Le courir? Pas courir. Moi, je penche les nuages. Hein. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Astéroïde, celui qui a mangé, qui a tué les dinos. C'est une bûche, hein. Les cendres récentes, elles sentent encore. Existe-t-il meilleure odeur que le feu de cheminée? Oui, des merguez au barbecue. Les merguez bien grasses là, et qui font qu'il y a des grandes flammes sur barbecue. Il y a des taches de gras qui. Il y a des gouttes de gras qui tombent là. Quoi ça? Ça brûle? Une boîte d'allumettes, du Hooper, un restaurant. Bon café, mauvaise omelette. Une seule allumette manque. Parfait. Un prospectus brûlé du Constant Club. Il ravive de vieux souvenirs. Miss Mass and the Divine Jazz Section. Featuring Golden Boy. Bah ouais, mais Golden Boy, il habite. 980, 600, 66, 50. Mais c'est le numéro qu'on a appelé tout à l'heure. C'est l'allumette. Des étoiles plein les yeux. Putain, j'ai cru que c'était un Amogus ici, mais non, pas du tout. Mais un peu quand même, hein. On dirait un Amogus caché derrière une porte. Genre là, c'est son œil. Des étoiles plein les yeux, ouais. Et ben, on va au port, hein. Ça, c'est un truc?
Golden Boy, difficile d'égaler cette performance. On l'a déjà vu, hein. Lisa Simpson dans le générique a fait la même chose, hein. Constant club de bonnes bouteilles et une excellente musique, un endroit où s'évader. Toc. Pinceau, le club pinceau est. Non, c'est quoi ça? Encre et couleur? Le club dans. Comment ça s'appelle? Dans Roger Rabbit. Il n'y a que moi là comme client, c'est pas top. Oh! Glouglou. Bravo. Ça fait des musiques. Pas des notes. Ok. Bonne descente, gars, hein, mais dans ce genre de jeu, je me demande toujours si les devs, eux-mêmes, ils ont parfaitement compris leur truc. C'est quand même une question que je me pose, hein, des fois. Hein. Ah, les clopes! On va voir Saturne. Les gens qui n'ont jamais joué à leur propre jeu, enfin. Ouais, non, mais. Est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'eux-mêmes ont compris tout leur. Ce qu'ils ont écrit, quoi. Caché? Ah, attends, j'ai vu un truc. Lou Mama. Voilà. Et que. Non, ouais, je peux pas rentrer dans la clope. Regardez comme ça, mais. Ok. On va voir Saturne. Du bruit, hein. Poussille, hein. Oui, c'est un nuage de gaz parce que le gars il est en train de fumer des clopes en fait. Il est vraiment en train de souffler pour la fumer. Alors gars, je suis pas fumeur mais je sais qu'en tout cas quand il y a des flammes comme ça qui sortent de ton cigare, t'es pas en train de le faire correctement mon ami. Hein. Ouais. Ah, la bagarre. Ouais. Ah ouais. Ah c'est vrai. Un mégot de cigare au relent d'égo froid et bien serré a été récemment éteint. Un indice à répertorier. Très 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 bien, très très bon manteau, le manteau très très bien. Le manteau TARDIS. Il met un cigare de 2 mètres de haut dans sa poche intérieure. On retourne à la maison, c'est ça?
Du coup, là, on rajoute des indices. Ah! L'indice a un bon donné. Rappelons pour sauver le dieu, ouais. Bon, du coup, il faut des ressorts. Au bout d'un moment, on aura suffisamment de ressorts pour créer un contre-trou noir et faire que ça va pas. Enfin, que lui, ça marche pas. Bah, ciao, hein. Continue. Et... Là, hein. Une trace s'efface. Voyez le trou noir? Alors qui peut arrêter le Big Bang. L'énergie du vide et rien d'autre. Un sombre océan scintille de reflets dorés. Go, hein? J'y vais, hein? Et... La lumière se reflète sur l'onde. Les pierres volcaniques, devenues sombres et froides, incubent des molécules organiques, ballottées au gré des marées. Des lipides hydrophiles se groupent pour former des membranes bicouches auto-assemblées. Cette imitation donne vie à des organismes unicellulaires qui commencent bientôt à recréer leur propre image à la vie. Les eaux se remplissent d'organismes qui se dévorent et se reproduisent en vain. De plus en plus variés, la vie se développe. Alors que la reproduction sexuelle donne naissance à une diversité en apparence infinie. Comment trois éléments inertes tels que carbone, l'hydrogène et nitrogène ont-ils pu apprendre à désirer? Phénomène appelé abiogénèse reste à expliquer. Ce qui est sûr, c'est que dans cette étendue d'eau, la vie est née. La fin, on était tous des ah, au début, on était tous des poissons. Là, je me souviens plus de la phrase, là, de la théorie de l'évolution dans South Park. Des poissons qui ont enculé un écureuil mutant. Quoi là? Peut-être là, elle est très très bien. Oh, j'ai vu l'anneau. On est au Mordor. Il y a l'anneau. Une alliance familière oubliée. Est-ce qu'il chuchote le reflet? Chose avec ça? Pas grand chose, hein. Oh non, mais là, la musique. Enfin, c'est vrai que j'écoute pas du jazz pour le plaisir, hein, on va pas se mentir. Mais dans les jeux, de temps en temps, ça fait assez cool, hein, quand même. Une cravate dénouée et nerveusement jetée. Elle ravive de vieux souvenirs. MM plus GB. Encore une tétaille? C'est mauvais ça. Hein. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est en train de sauver l'univers en se bourrant la gueule. Ma foi. Alors, n'essayez pas ça chez vous, hein, bien sûr, hein, y a un peu de chance que ça marche. Ok, c'est la star. La star qui a plein de conquêtes. Tout le monde à ses pieds. Ok. Toi, il joue du saxophone, hein. Je comprends, hein.
Il y a une étoile, il n'y a plus d'étoile. L'orage. Je crois qu'il regardait une photo d'une femme ou de quelqu'un qui l'aime, quoi. Non, non, enfin. Bah, techniquement aussi, peut-être regarder une photo de lui. Ouais, regarder une photo. Une élégante flasque abîmée et négligée. GB plus MM. Je lance un caillou, c'est ça? Ah, gros, le gros caillou, il va pas aller bien loin, mais c'est tant jamais, tu vois. Ah ouais. Le petit caillou? Il y a un petit caillou. Ça c'est un petit caillou. En plus, il est plat. Il est aérodynamique. Flou de toi? De Gilles Gabriel? Ok. Quoi ça? Une élégante boutonnière à lancer une élégante boutonnière à lancer à une admiratrice ou à jeter un perturbateur. La basse, hein. La basse, c'est bien. Allez, allez. Je vais le rejoindre hein, s'il veut. Hein. Un casou. Je garde au casou, bien sûr. Alors, je ne jouerai pas bien, évidemment. Là, mon pauvre voisin, il va m'entendre jouer du kazoo, il va détester. Et surtout, je ne sais pas jouer du kazoo. Si je vais le faire, hein. Aussi, hein, j'ai eu des cours de musique, de flûte. De flûte avec ma ped. Merci, merci, bravo, bravo, gars. Oh, t'es toujours un bâtard, hein, t'as tué quelqu'un quand même, hein. Mais t'es doué. Narcisse? J'ai vu son reflet, il est mort. Ok, hein. Ah oui, d'accord, ok. Bon, le bouton pour courir, hein, c'est un peu. Ça dépend des fois. Hein. Si je vous plaît, il est sur Game Pass. Pour récupérer le saxophone, c'est ça? C'est pas un indice de fou de savoir que le saxophoniste a un saxophone. J'avoue que c'est pas. Ah oui, la photo peut-être, oui. Par des constellations. The Golden Boy. Boy. Le bon bruit.
Grâce? Ok. Ah, on crée des molécules. Bah là, les atomes, ils sont déjà créés. Du coup, là, on est en train de créer des molécules. Ah. On crée la vie. Pourquoi tu veux pas, toi? Oh, le bruit, il est bien. On va faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Bibou? Je peux tourner. Ah, si, je peux tourner comme ça. Ah, c'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple. Ok. C'est vrai qu'on est dans un jeu en 3D, du coup, je peux tourner la caméra. Oui. La merveille de l'axe Z. Oh, l'ADN, je reconnais ça. J'en ai. Promets, j'en ai, hein. Moi-même, hein. Élevé en plein air, tout ça en plus. En plein air. Okay. Oh, le bel ADN. Même plus que ça veut dire ADN. Acide de pas. Acide de nucléon? C'est pas ça. Bah, c'est le sucre? Non, c'est pas ça le sucre. Bien plus. Je me souviens, vous vous souvenez dans le dessin animé, il était une fois la vie. Il y avait des usines où il y avait genre des petits trucs comme ça. Il y avait un bandeau qui passait. Il mettait des trucs comme ça. Tac, 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 tac. Et ensuite, ça passait dans une autre machine où il y avait deux bandeaux avec juste un côté. Et ensuite, ça se liait. Ensuite, ça faisait l'ADN. C'est pas l'ADN là, hein. Mais ça me fait penser à ça. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, l'intégrale de L'été une fois la vie est disponible sur YouTube légalement. Les dernières nouvelles, c'est pas des nouvelles fraîches, hein. Ça date de un petit moment quand même, hein. Je prends tout, hein. On va te faire une molécule, moi. Z, on est trop mis. C'est quoi? Oh, il y a des pattes. Ça fait quoi les pattes? Les spaghettis, hein? Ah tiens, ça, ça. Faut pas mettre toutes les pattes. Toi. Ok, oui, non, en fait, c'était juste bon, d'accord. Je crois. On a créé la vie là. Le truc en bas là, ça a l'air dégueulasse. Hein. Qu'est-ce que c'est? Des essais de la vie. Des molécules et tout ça. Spermato. Ah là, ça a marché. Ah, il faut un autre truc avec les spermato, bien sûr, mais c'est un bon début. Créer des poissons.
plein de gamètes sur toi, c'est dégueulasse. On est sur quoi là? Vous sonnez le sport? C'est sport en fait ça. Les mêmes bruits. Sport, jeu incroyable. Hein. Jeu qui selon moi mérite. Je le dis à chaque fois que j'en parle. Hein. Mais sport pour moi c'est le jeu qui mérite le plus à un reboot. Ou un remake. Oh. Bonjour. C'est bizarre toi. Hein. Ok. On va commencer par le spaghetti. Tu t'en mets un rond. Je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Par toi? Mais je peux pas puisque j'ai le spaghetti, j'ai le rond, mais j'ai pas le tournicotis. On va commencer par ça. On met le tournicotis, on met le rond. Faire toutes les possibilités peut-être, c'est ça. Mets le rond, mets le tournicotis, c'est ça. Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. On met ça, et on met ça. Je crois que j'ai déjà. On met ça, puis on met ça. Ok. Puis on met ça, on met ça, on met ça. Ok. On met ça, on met... Ah, mais bon. Bon, on le fait en deux fois, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. On met ça, on met ça, et on met ça. Hein? Ça va, toi? Oula, vous allez faire des bisous? Ils vont faire des bisous? Ouais. Oula, j'aurai le tournicotis. On va créer ça, c'est ça? Comment ça fonctionne? C'est donc ça. Alors attends, oula, c'est dégueulasse toi. Quoi? On commence par ça, on commence par ça, et on fait ça. On peut en mettre que 3. On va commencer par ça. On met ça. Et ensuite... Oh, vas-y, on met ça. Hein. On joue à créer la vie. Hein. Particulier. Hein. Est-ce que tu veux te reproduire avec quelqu'un, mon ami? Là, t'es sur Tinder. Je te crée ton partenaire en direct, hein, sur commande. Ça vaut les 300 balles. Hein. Voilà. J'en tousse. Tic tac. Ok. Ok. Créons le tic tac avec un rond et un autre rond. Voilà ça. On commence par un anneau, un tic tac. Des bruits bizarres. Hein. Et un moteur. Quelqu'un a ton goût, mon ami? Pas top. Bof. Bof. Ah, si. Ah. Dégueulasse, hein, t'as la langue qui pend, et j'espère que c'est une langue. Hein. Non, t'as personne qui te plaît? Bon, attends, on va créer quelqu'un d'autre. Un moteur. Une lumière. Et un macaroni. Ça. Ah, si. Merde, t'avais déjà quelqu'un, en fait. Ah ça je connais ça. Ça je connais aussi. Putain on a créé des poissons. Pliage. Un os d'ammonite. Une proie. Une éponge. Un spectateur passif. Les potions. Une éponge, ouais.
Un fossile de trilobite, un prédateur invasif. Ça, c'est des méduses. Bon, faut qu'on aille là, hein, je présume. Hein, pour récupérer le machin. Alors, Bébou? Avance? Pourquoi tu veux pas avancer, mon ami? Des coraux. Du corail, pardon. Plusieurs organismes habitant une seule et même forme. Faut que je fasse peur aux poissons. Un saxophone terne. Son corps cabossé ne reflète que peu de lumière. Piste a disparu. L'indice. Après, l'indice, je ne sais pas à quoi il sert, parce qu'on sait très bien qui est le tueur. Du coup, dans l'absolu, si ça sert à quelque chose, quoi. Une petite baudroie. Eh, mais je te reconnais, toi, avec ton signe, là, sur la tête. C'est l'heure. Bah c'est l'heure, hein. Ouais, ah ouais, le gars, il a sa propre constellation. La constellation du Golden Sax. Ouais, voilà, hein. Petit chat. Jusque-là, oui, Arena 9, hein. Une terne, ouais. Oh. Continue, ma foi. Alors. Une poche d'espace-temps étrange, mais vide. Une œuvre d'art aperçue de loin. Allons-y. Allons-y, Alonso. Une trace sombre subsiste dans l'espace, attirant vers la destruction tout ce qui l'entoure. Ce trou noir inéluctable absorbe même la lumière dans son horizon. Les rayons qui parviennent à éviter l'horizon, cependant, se courbent autour de cet objet massif. L'espace-temps prend la forme d'une lentille et faisceau converge vers un point de fuite au-delà du trou noir, formant un anneau d'Einstein. C'est fou, hein, parce que quand on regarde un trou noir, on voit derrière le trou, enfin, ce qu'on voit sur les côtés du trou noir, c'est ce qui se trouve derrière le trou noir. Je trouve ça. Tenez-vous sur ce point isolé de l'univers pour admirer des paysages distants, amplifiés sur une toile géante. Alors faisons ça, hein. Approche pas trop quand même, hein, mon ami. Hein. Oula. Ça j'ai. Des boutons de manchette retirés délicatement pour éviter qu'ils ne soient salis. L'air vénère, le monsieur. Hein. On va suivre ça, je présume. Musique, là? Bravo, moi. Ok. Alain Delon. Ah, ça fait des bubules? Dans des bubules. Oh non. Oh oui. Je porte l'étoile. Je pars. Je prends. Ok. Ça explique toujours rien. Hein. Je fume une clope. Pas bien, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, il pose Saturne. Et sa petite popote. C'est un peintre, c'est un artiste, bien sûr.
Je peux pas cliquer. Okay. Il s'admire. Il essaie de recréer Saturne à son image. Mais tu n'es pas une planète, mon ami. Ah oui, non, il Saturne comme un, comme une toile. Pas comme une toile, comme un, une palette. Il peint la Voie lactée. Bien raison, hein. Il fait ça tout seul, hein, quand même, hein. Après, bon, il a mis du temps, hein. C'est vrai qu'on va pas se mentir. Ah, oui. Bonjour. Ah oui, d'accord, il a fait ça, oui. Ah, salut. Petit papier. C'est gentil. Bonjour Dieu. Une photo promotionnelle pressignée est déjà usée. Ah mais ça m'intéresse pas trop, mon ami. Un stylo plume orné, servant à tracer des formes flamboyantes. Si son encre n'avait pas séché. À écrire. Part déjà? Arrivé. Chaud, hein. Deuxième confrontation, hein, techniquement. Et salut Lefkrafusyuki! Bonjour à toi, comment vas-tu? Nous sommes sur Genesis. Genesis Noir. Un jeu à la réalisation incroyable, très très beau, très très joli, et la musique très très jazzy, sûr. Ou le scénar est un peu flou, on va pas se mentir, ou de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a lui, le Golden Sax, et qui est en train de tuer Madame Miss Mass. Et on a bu un coup. Et maintenant, on peut retourner dans l'espace-temps, dans le passé, suite à la création du Big Bang, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur lui et pour pouvoir essayer de l'arrêter. En gros, on essaie d'arrêter Dieu. Alors, c'est très sympa, c'est très sympa. Et moi, ça va plutôt bien, ma foi. Hein. Plutôt bien. Tranquillement, tranquillement. Hein. Du coup, ouais, voilà, on fait on fait des petits niveaux d'énigmes. Les énigmes ne sont pas bien compliquées pour l'instant. Et on récupère des indices, et ainsi que des objets comme ça. Un mécanisme inachevé pour créer des trous noirs, la proportion n'est pas encore définie. Et notre plan, c'est ça, voilà. Un plan pour sauver un dieu. Je pense que c'est la chanteuse, hein, le dieu, en fait. Enfin, que le Golden Sax, le Golden Boy, il est... C'est un dieu, lui aussi, ça c'est sûr. Et elle aussi, c'est un dieu. C'est un dieu. Ça a l'air d'être flou. C'est assez flou. Hein. C'est assez flou. Vous, j'ai pas tout compris. Hein. Voilà, ouais. Là, on s'est arrêté dans ce temps-là, en fait. Et là, même là, on sait pas pourquoi, mais le gun qui tire, en fait, il y a un trou noir. Le truc qui sort de son flingue, c'est un trou noir. Ensuite, voilà, on remonte. Merde, dans des souvenirs. Attends, non, arrête. Enfin, que je semble être des souvenirs où je ne sais pas ce que c'est en fait. Une impasse. Mais ouais, la DA est incroyable en tout cas, et la réal est très très cool. Du coup, moi j'aime bien, j'aime bien. Le reste d'une Nova morte, ok? Un phare éclaire la nuit, mais Golden Boy reste introuvable. Ouais, c'est perché. C'est très très bien. Puis la musique. Quand elle est là, hein, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas tout le temps là, mais la musique est incroyable. À mesure que la gravitation rassemble des nuages d'atomes interstellaires, une immense pression s'accumule et un brasier éclate. Une étoile est née, dans un halo de poussière, son ventre rempli d'hydrogène, d'hélium et de lithium. En son sein, la fusion digère ce repas originel en un ensemble d'éléments progressivement plus grands, plus lourds. Sa croissance achevée, l'étoile, remplie de fer, s'effondre enfin et implose en une supernova, libérant une rafale de rares éléments lourds dans un dernier soupir.
Nous sommes faits en poussière de toile. C'est pas une blague. Mais du coup, nous, je sais pas qui on est, hein. Nous, on était juste un vendeur de montres à la base, hein, à la sauvette. Je vais pas trop parler parce que je suis avec ma cousine, mais je suis là, ah bah y a pas de problème, hein, y a pas de problème. Je leur commenter, bah y a aucun problème, hein. De toute façon, comme je dis, ça fait partie de ces jeux que j'appelle des jeux cinéma. C'est des jeux qui durent le temps d'un stream et qui sont très bien à mettre au fond, quoi. Hein. Mais n'hésite pas à parler de la chaîne à ta cousine, bien sûr. Et n'hésite surtout pas, hein. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah putain, les lamas à mage, machin. Ah, on est en train de créer le système solaire. Né d'Outer Wild. Voilà, c'est Outer Wild, hein. Suivre la chèvre. Oh, hein. La chèvre des bois. C'est grand, les cerfs. Oh, c'est grand. Je sais pas si vous en avez déjà vu en vrai. Oh, c'est peur, hein. Ça fait peur, ça impressionne. Arrive dans la forêt, c'est ça? La chasse. Nous qui sommes chassés. Là, ça sent plus à la traque. De toute façon, on n'a pas d'armes. J'avoue, le cerf, je me vois mal. Je vois Balbe battre contre lui à main nue. Hein. Je pense qu'il gagne. Hein. J'avoue. Ah, il y a des traces. Mais il y a ça aussi. Oh, la serpe, les serpents, hein? Cache-toi, le serpent. On va partir, mon petit pote à la compote. Pas drôle, hein. Oh, c'est quoi, ça? C'est rien du tout. Un serpent. Mange. Ah, vu. Ah oui, mon ami. Regardez-moi vers un endroit. Et oui, bah oui. Quoi, ça, c'est du caca? Ça ressemble, hein. Vous savez que la mascotte de Nesquik, c'est un lapin? Les petits. Les... Non, oui, c'est ça, les céréales Nesquik? Ou Chocapic? Ça pue. C'est les céréales toutes rondes, là. Au chocolat. Ah, et maintenant, regardez, il est à quoi taper crotte de lapin. Voir ce que vous allez voir pourquoi c'est ça lapin du coup. Voilà, bon, il l'a connu, hein. Putain, je crois que c'est une barrière, mais non, c'est très bien. Forêt de Rambouillet. Le voir des cerfs, c'est là-bas. Va sur les projos. Bien parce qu'il y a des bruits de forêt tropicale alors que j'ai l'impression d'être dans une forêt européenne. Oh, le lapin! Le lapin, il paie du pain! C'est bien, Bibou! On peut pète le lapin ou pas? On peut pète le lapin.
suis très désappointé. Moyen sûr que le cerf soit passé par là, mais bon. Il m'a dit que j'étais un bon chasseur. Hein. Chasseur, sachant chasser. Hop, je suis. Oh! Oh, du Covid! Quoi ça? Des courbes voluptueuses sculptées dans la roche. Elles ravivent de vieux souvenirs. Et de très vieux souvenirs, parce que les sculptures préhistoriques, bah. Historique quoi. Ah, chanteuse. Eh, on va encore boire des coups. Go hein. Go hein. Ah, ça blablate. Pipi? Ou pipi? Ah, le numéro qu'on a eu au début du jeu vient de là. Amoureux, tu as le droit, hein. Allô? Une pizza? 180, 66, 50, bien sûr. J'ai l'impression qu'elle était en train de chanter ce rêve bleu, mais pas du tout. Vaga? Il a l'air d'aller bien. Hein. Pas ce qu'ils boivent, hein, mais c'est fort. Pas la bière, hein. Un peu plus que ça. Champignons, bah oui, voilà, t'as mangé les champignons des cavernes, hein. Fallait pas faire ça. Hein. Champignons qu'on connaît pas. D'accord, je pouvais pas marcher parce qu'il y avait un champignon. Oh, des traces de main. Nous sommes donc à la préhistoire cette fois. Ah. On refait toute l'humanité, c'est ça? La préhistoire, ça. Cléopâtre. Pas te manger les champis? Oh! Il nous faut ça. À nous le signe. Et en plus, ça ressemble à la coupe de cheveux du machin, là, de Golden Boy. Une silhouette primitive peinte sur une peau tendue. Ah! Oh, pardon, je rote de. Pourquoi tu fuis? Pas te faire de mal, hein? Je crois. Hein. Retourner là-bas? Il veut pas, hein. Pim, pim, pim. C'est vrai parce que les chauves-souris, il y en a qui sont ultra mignonnes et d'autres, c'est les créatures des enfers. Hein. Y a rarement des entre-deux. Hein. Les roussettes, c'est adorable. Les chauves-souris vampires, là, qui sucent le sang des vaches, c'est immonde. Découvrir l'humain. Merde. Mauvais bail, ça. Hein. Ça va? On va dire que oui, hein. Bon, moi je suis les autres chemins, hein. Enfin les autres traces.
Ah, bro? On va dire que oui, hein. Toi aussi, tu vas bien. Ok. Ça va? Ouais. Ça va bien, hein. Regarde les plantes pousser. Faut être patient. Bonjour, la pinte. Ce caribou. Pas caribou ça, hein. Ça c'est nous ça. La vache. Aïe. Alors bien visé, hein. C'est quoi, faut... J'enlève la flèche. Ça va pas servir à grand chose là, hein. Là, je pense que c'est foutu, hein. Désolé, bébou, hein. Ah, il disparaît. Oula. Je suis le diable en fait. Moi j'ai eu des cornes à un moment. En fait, je suis le diable. Diable qui se rachète une conduite. C'est vrai qu'il y a du coup là, il y a Dieu qui a tué quelqu'un. Nous on est le diable qui essaye de souvent, sauver la personne. Je vais faire ça. Ouh, ça va être dégueulasse, attention, ça... Bah ouais, t'es. Ah. Oh, mais moi j'ai les os. Les restes d'une créature mâle, née des cendres d'une toile morte, accablement recherchée, des mains féminines souhaitaient la posséder. Un mécanisme avec ça, hein. C'était bizarre ça. Pourquoi quand on m'a touché, j'étais le diable? Dieu. Là, y a pas grand-chose de neuf, hein. Ah si, bah si, y a une grosse corne, quoi, du coup. Bois de serre, elle faisait autrefois partie d'une étoile. Mais il a été chassé pour son étrange beauté. C'est vrai que les bois de serre, c'est magnifique. Sûr, hein, pas besoin de tuer un cerf pour en avoir. Hein. Ça dépère naturellement. Ok. Bon, ici, il n'y a rien. Ah, vu. C'est quoi? Une étoile à neutrons qui ne tourne plus. Peu ça? La sensation que quelque chose nous observe est accablante. Oui, c'est vous. Oui. Dédé. Un regard lancé vers le ciel étoilé. Les astres annoncent l'hiver qui approche. Winter is coming, je connais la ref. La fin des temps prédite par l'éclat d'étoiles mourantes. Pour s'y préparer, une récolte. Des signes plus subtils, mais de pire augure, se trouvent dans l'observation patiente du Saros des éclipses qui survient tous les 18 ans. Ceux qui retournent dans un même lieu après trois répétitions du cycle sont stupéfiés par le spectacle inoubliable des cieux plongés dans les ténèbres. Il y a deux, trois mots, j'ai pas compris, hein. Ah, j'ai pas compris. Oh! Observation. En effet, il y a l'autre qui nous regarde avec ses yeux en forme d'étoile.
Et tu es mon ami? Ouais. C'est soit de forme animale tirée de fables enfantines. Les bambins rient de son empressement. La paix! La paix est paix du paix! Quand on fait des constellations. Donc là, on arrive à l'Antiquité, quoi, c'est ça? Un village formé par les cieux. Les bâtisseurs portent de gigantesques pierres pour en recréer la brillance. Au vu. Qu'est-ce que ça s'appelle ça comme forme? La baguette magique? La cuillère? La main? Ah oui, la main. Des poings liés formant une main menaçante. Les soigneurs brûlent des membres amputés en son honneur. Voilà, c'est rapide ça. Le cadran solaire fait de composants célestes. Les prêtres prient pour que sa lumière ne s'éteigne jamais. C'est vrai qu'un cadran solaire sans lumière, c'est un peu compliqué. Hein. Enfin, l'intérêt est quand même beaucoup plus limité. Ça va être quoi? Ça va être une maison, ça? Un coffre? Ou un coffre, peut-être, plutôt. La boîte. La boîte céleste. Un tambour. C'est une boîte, un tambour, hein, techniquement. Des lumières disposées en forme de tambour, les danseurs rejouent le mythe d'une grande bataille. En fait, c'est l'histoire de l'humanité qu'on est en train de refaire, ça. Oh, sympa, hein. La fusée céleste? La jarre à pisse. Une bouteille illuminée. Non. La bouteille illuminée par le clair de lune. Les brasseurs lèvent leur verre vers le ciel étoilé. Hein? Ah mais c'était moi ça, le diable. Hein? Moi ça. Okay. Ah vu. Go, hein. Faut recommencer, c'est ça? Faut en faire d'autres? Oh, en vrai, j'aime bien. Ça me rappelle des mini-jeux Flash. Il y avait des genres de mini-jeux Flash comme ça. Quelle époque, hein, les jeux Flash. Vraiment nostalgique, un peu de ça. Hein. Enfin, nostalgique. Les étoiles vibrant au loin dessinent un cœur brisé. Alors, au moyen brisé, mais oui. Les endeuillés pleurent devant les ténèbres infinies. Ouais. Ah. Ok. Ok. Oh! Les comètes volent à côté d'un sombre oiseau céleste. Les compteurs alternent entre colombes et vautours en fonction de leur public. Alors c'est vrai que c'est pas la même ambiance, hein, les gars. Les vautours, animaux incroyables hein, quand même. Manger des cadavres, enfin, ça peut manger des cadavres, mais nous, voilà quoi. Ok, ça se connaît, ça c'est Sims. Des lumières éclatantes forment un bracelet perdu tragiquement. Sous la lumière, les veuves se séparent cérémonieusement de leurs bijoux. Ok, donc là c'est truc genre l'amour et tout ça quoi. Ça, c'est une patte de poulet, ça. Ouais, c'est ça. Hein. La poussière d'étoiles scintillante, évoquant des arômes doux.
Des jeunes filles rassemblent des fleurs au clair de lune pour lancer un sort d'attraction. Fleurs quoi, du parfum. Une robe? Un peigne. La gravité a rassemblé la matière en un peigne cosmique. Les mères tracent des formes célestes dans les cheveux de leurs enfants. On est en train de créer les mythes et histoires. Un carré? Ça m'étonnerait que ce soit un carré. Hein. Ok. Ah, le gobelet? Ah, ouais. C'est un gobelet, c'est un gobelet. Hein. Les vibrations de la lumière visible atteignent des yeux lointains et évoquent une lyre. Les musiciens composent des chansons dans leurs rêves. Ah! Et Mismas, d'accord, c'est la déesse de l'amour. Après 2 heures de jeu, on a enfin le lore. Donc nous, on est le diable. Mismas, la déesse de la vie. Ou de l'amour, ou les deux. Et du coup, là, je pense qu'on va en apprendre plus sur, sur le blond. En vrai, c'est toujours frustrant ce genre de jeu où t'as besoin de plusieurs heures avant de savoir de quoi ça parle. Enfin, d'avoir des clés. Mais en vrai, c'est cool quand même. Tu peux te faire tes petites théories. Bon, du coup, là, je pense que c'est le blond. Hein. Une constellation en forme d'arbre ombrageant le monde. Les amants créent la vie sous sa grande canopée. Canopée de Polo et Pan? C'est incroyable ça. Un tracé étoilé formant un serpent ou un ver. Les druides se querellent dans le sens de cet augure. Je veux pas grand chose, mon ami. Les fragments du créateur deviennent des silhouettes humaines célestes. Les morts prennent leur place dans les cieux. Compliqué ça là, attention. Hein. Ouais, ça c'est le blond. Hein. Les soleils éclatants têtes de stupéfiants embrasés. Les chefs se dressent sur le bûcher et la fumée rejoint les étoiles. Voilà, ouais, c'est le blond. Hein. Une arme menaçante suspendue au-dessus du monde. Les chasseurs lui font des offrandes de sang. Alors tu pourrais faire du boudin, quoi. Les étoiles s'assemblent dans une généreuse abondance. Les fidèles prient pour une récolte fructueuse. Et ouais, c'est le blond, hein. C'est le blond avec la tête à l'envers. Okay. Oh. Le feu? Bonjour. Bonjour les gars, ça va? Une photo familière transmise de génération en génération. La corne d'une créature morte se transforme en un bouquet de fleurs. Toutes ces espèces devraient être répertoriées. Ça pour moi, ça. Une torche servant à allumer un flambeau cérémoniel.
Ah ben, très bien. Ok. Ok. Donc, pour l'instant. Pour l'instant, de ce que je crois comprendre, nous, on est le diable. Miss Mas, déesse de l'amour slash la vie. Et le Golden Boy. Le créateur de toutes choses. Par contre, question. La question, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que le créateur de toutes choses veut tuer l'amour? Pas une question qu'on se pose toujours, ça. Voilà. Bon, on va faire une petite pause, faire un pipi. Je reviens tout de suite. Hop! Tout de suite à YouTube, bien sûr.